Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo donc en compagnie de ma soeur. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le sister tag. Je pense que vous connaissez le principe, c'est une vidéo assez répandue. Sur YouTube, en fait, on va tout simplement répondre à des questions en fait. Donc la première question, c'est quel âge avez-vous? Moi je vais avoir 17 ans au mois d'octobre. Et moi j'ai 19 ans. Décrivez-vous en un mot. Je mets pareil, chiante, très chiante. Ah ouais. Est-ce que les personnes vous confondent? Énormément. Ouais, en fait, ils la prennent pour la première parce qu'en taille, elle, enfin, ça se voit pas, mais en taille, elle est plus grande du coup maintenant. Et du coup, voilà, ils la prennent pour la plus grande. Alors que c'est moi l'aînée, si vous avez pas remarqué. Mais... Et moi, les gens, des fois, ils disent « Oh, Jennifer !» Non, c'est lui, Lily. Ouais, mais ça, des fois, c'est les profs, genre quand ils m'ont eu... Dans le code aussi. En code. Annabelle, une fois, m'a fait « Oh, Jennifer !» C'est Lilibine. Mais non, mais tu sais, ce matin, Marielle, elle a fait Ludivine, et je pense que je vais lui faire. Enfin, une fois qu'on se confond avec moi. Meilleure blague ou meilleur souvenir ensemble? Bah, il n'y a pas un souvenir ou une blague spécialement la meilleure. Enfin, on a des délires à table et tout, des fois on part en fou rire total et on peut pas s'arrêter, donc... Enfin, des fois, ouais, on part en fou rire total, on peut s'arrêter, donc il n'y a pas de meilleur souvenir et de meilleur blague. Enfin, je n'ai pas qui vienne en tête. Non plus. Qui met le plus de temps à se préparer? Elle. Non, mais je vous explique quand même. Moi, je mets du fond de teint et elle, mais elle met pas de fond de teint, mais elle se maquille que les yeux et les lèvres. Donc évidemment, ça va, voilà, c'est moins long, quoi. Quoi? Tu es un peu blush. Non, mais si je mets pas de fond de teint, je suis allergique. T'es nul ou quoi? T'es pas allergique à tous les fonds de teint, faudrait trouver le fond de teint où t'es pas allergique quoi. Et puis même j'en ai pas besoin. J'ai trop à toi, j'ai pas besoin. Je suis une merde. Je suis perdue. Qu'est-ce qui vous agace le plus chez l'autre? Son caractère. Tu oh. m'agaces avec ton caractère de merde. Non mais elle est elle-même. Moi je dirais le fait qu'elle s'énerve pour rien. Genre tu dis le moindre truc, elle va s'énerver. Oh, c'est pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute, mais... Je n'ai pas connu ça. Non, on a des gros caractères de merde, c'est pour ça que... Non, mais on a, on a le même caractère. Hein. Mais je lui dis le moins de trucs, même si c'est un peu gentil, quoi, elle va se... Partir en cacahuète. Vous vous disputez souvent? Énormément. Très souvent. Oh, ça va. Arrête. Bah évidemment, quand je lui dis un truc et qu'elle part de ouh, et bah je lui réponds. Donc. Non, et puis quand tu me dis des trucs, franchement. Ah ouais! Ah oui! C'est affreux! Oh non, l'autre! Non, sinon ça va. Enfin, tu disputes beaucoup plus avec Cri-Cri. Enfin, moi maintenant, mais. Comme moi? Oui, tout le temps. Même avec toi? Oui, bon. Il y a des passes en fait. C'est ça. Quelle est la meilleure chose chez l'autre? Ton humour. Mon humour? Oui. Elle est drôle. Ok. Moi j'ai mis. Se prend pas la tête. Mais ça peut être un défaut aussi. Parce que genre tu stresses pas trop. Enfin pour les cours et tout, tu t'en bats avec. Ah mais ça c'est sûr hein. Si on s'en sort avec toi, elle stresse. Elle se stresse pas pour rien comme moi. Donc elle se prend pas la tête, mais genre elle va se prendre la tête quand je dis un truc, elle va s'énerver. Donc en fait c'est un peu contradictoire, mais ouais, moi je dirais elle se prend pas la tête, enfin ouais, elle se stresse pas pour rien, enfin voilà. Voilà. Est-ce que vous pourriez vivre l'une sans l'autre? Un peu. Oui et non. Un peu. Je dirais même. Oui. Parce que vu que t'es souvent chiante, oui. Après, pour rigoler, je vais rigoler avec qui? Mon mur. Je vais rigoler avec qui? Je me demande. Ouais, on pourrait vivre genre chacune dans notre appart et tout, mais bah. Je t'appellerai le soir. À mon numéro 2. Mais enfin, faudra quand même qu'on se voit de temps en temps et tout, quoi. Normal, comme des sœurs en fait. Comme tout le monde, enfin. Voilà. Et moi on est sœurs de vie. Ah oui.
Vraie demi ou belle sœur? On est des vraies sœurs. Ouais. On a les mêmes parents. Oh ouais. Talons ou chaussures plates? Les deux. Moi je suis plus basket. Mais les soirées, en soirée je joue en talons, mais sinon je suis plus basket. Je n'aime pas pisser le cul aller en cours avec des talons. Moi non, enfin. Ah non, moi non, clairement. Pantalon ou robe? C'est le même en fait, moi c'est pantalon. Moi aussi! Pantalon, mais en soirée je vais mettre enfin robe ou je mets des combis shorties quoi, mais. Moi je suis pas à l'aise en robe. J'ai la dose de robe, mais je suis pas à l'aise en robe. Moi j'avais moins, j'ai fait un tri. T'as fait un tri, moi je me retrouve avec un placard comme ça. Ouais. Animal préféré? J'ai deux animaux préférés. Les chats et les chiens. Pas qu'on m'a mis. Moi je dirais plus les chiens. Parce que les chats, enfin, ça joue moins que les chiens. Donc les chiens. Parce que tu sais pas jouer à la cuisine, c'est tout. Tu joues à la cuisine, c'est bon. Non, je préfère les chiens. J'aimais les chiens, mais je préfère les chiens. Avant, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les dauphins, mais voilà. Elle a voulu imiter le dauphin là, je crois. Ta maison en train de brûler, ta famille en sécurité, qu'est-ce que tu sauverais? Moi? Moi je sauverais mon PC et mon portable. En fait tout ce que je peux sauver je sauve quoi. Bah ouais mais je pourrais prendre mes meubles, je les prendrais mais j'aurais pas le temps. Mais sans tout neuf. Non je prendrais mon PC et mon portable parce que ça coûte quand même cher et que pour aller en cours je me sers mon PC donc ce sera un peu compliqué après. Et c'est tout qui coûte cher, donc pour acheter après, que bon, les meubles encore, ça coûte cher, mais voilà quoi, c'est. Tu peux trouver de la récup en train d'acheter une nouvelle. T'as l'assurance de vie. Oui, et puis l'assurance maison. Je prendrais mon code civil aussi. Non, ça coûte pas cher, bien sûr. Mais quand même. Enfin bon, le mien est tout neuf là, donc voilà quoi. Non, ouais, je prendrais mon PC et mon portable. Non, ce serait mon portable et les photos de famille. Pour garder des souvenirs. Tout le parti en fumée. Ouais. Si je pourrais prendre tout mon maquillage, si je le prendrais, mais j'aurais pas le temps. Ou je prends juste le strict nécessaire. Moi non, je prends juste mon portable et les photos de famille. Je m'en fous du reste. T'as pas passé, toi. Enfin, c'est une fixe et du coup, c'est un peu carré. Ah, c'est portable. Ouais, bah, le portable il est pourri quoi. Mais il fonctionne. Faut juste que je penche tout le temps, mais c'est pas grave. Comédie, horreur ou film de fille? Bah alors là, j'ai pas de préférence. Moi je préfère les films de filles et tout ce qui est comédie. Films d'horreur, j'aimais bien, mais je regarde moins maintenant. Moi j'ai pas de préférence. Alors là, j'ai rien. Samsung ou iPhone? iPhone. iPhone. Chose la plus bizarre que tu aies mangé? Ça, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé en fait. J'ai même réfléchi quand j'étais allée en Angleterre. J'ai même cherché quand j'étais allée en Angleterre et j'ai pas mangé des trucs bizarres, bizarres en fait. Enfin, en fait, il y a trop de préjugés en Angleterre, ils mangent comme nous. Même moi, je vois pas. On est pas non plus. Ou alors, je me souviens pas. J'ai même mangé des trucs bizarres, genre. Tu sais, en Angleterre, des fois, il y a tout le temps des gens qui disent oui, tu as mangé les trucs tout gluants là. Vous l'avez jamais mangé? Ah, le. La gelée? Ouais, voilà. Moi j'avais jamais mangé. Truc bizarre, hein, j'ai jamais mangé de. Ça me vient pas à l'esprit en fait. Non, ok. J'ai rien. Non, rien. Point commun. Caractère. Caractère. Humour. Ouais. J'irais aussi. Bah après, en point commun, je pense que bah, parce qu'on aime bien tous les deux de la danse. Toi un peu moins par rapport à moi maintenant. Que t'as le foot. Oui. Bon, le maquillage aussi, on aime bien. Toutes les deux. Regarder des vidéos, même. Ouais, regarder des vidéos. En point commun, après, il y a toujours des petits trucs, ouais, le caractère. Ouais, voilà. Non, je vois pas. Non, je vois pas non plus.
Émission de télé préférée, donc en série. J'en regarde pas. Je peux pas dire. C'est le genre de meuf qui regarde pas de série. Mais je t'emmène. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous ne comprenez pas. Mais je m'intéresse pas aux séries. Mais il y a plein de séries trop bien. Je m'en fiche. D'accord. Moi, ma série préférée, j'en ai regardé. Attention, il y en a plein. Plein, plein, plein. Je dirais peut-être que j'en ai deux en fait. La première serait Vampire Diaries parce que j'aime beaucoup les personnages et les histoires qu'il y a à chaque saison, etc. Je parle seule avec un connerie, en fait. Parce qu'elle a déjà regardé quelques épisodes, mais genre qui passe à la télé par-ci par-là. Et la deuxième, je pense que ce serait une sans prise de tête, enfin un peu sur la vie et tout, ce serait The Foster. Celle que je regarde en ce moment, elle est plutôt cool en fait. Voilà. C'est laquelle que tu viens d'écrire? Avec Chris et Riverdale. Et Télé-réalité. Ouais, télé-réalité. Tu regardes pas trop. J'ai regardé Holly Walker. Regarde rien en fait, elle m'a fait. Je suis pas vraiment télé. Ni. Ouais. Bah, série, t'aurais pu mettre Demain nous appartient. Ouais. Ouais, parce que je la regarde ensemble. Ouais, c'est vrai qu'elle est grave aussi. Moi, télé-réalité, j'en ai pas beaucoup de télé-réalité. Ah non, pas du tout. Non. Allô, quoi. Non, je regarde pas. Avant, je regardais beaucoup, je regardais les anges et tout, mais maintenant, je trouve que les anges, c'est devenu la grosse daube. Mais je regarde les Marseillais. Je m'en doutais. Je suis trop genre. Non, je regarde ouais, tout ce qui concerne les Marseillais, donc les Marseillais et puis les Marseillais, mais sur le reste du monde. Tu regardes pas. Les 100 couples, les 10 couples ou je sais pas quoi. Non. C'est les mecs. Non, je regarde plus la télé-réalité, je regarde plus trop. À part voilà les Marseillais, le Marseillais reste du monde. Et ça m'occupe une bonne partie de l'année en télé-réalité parce que ça y est quand même souvent. Ah si. Donc j'ai pas le temps de regarder autre chose. Il y a un truc que je regarde. Et encore, je regarde en replay. Les Aventures Aventuriers. Ah oui, ouais, les Aventures Aventuriers, ouais, j'ai regardé. Mais j'ai regardé la saison 2. J'ai pas tout regardé, mais j'en regarde quand même. Je regarde. Toi aussi tu regardes quand même un peu. Ouais, j'ai regardé un peu, mais bah non. J'ai pas regardé le dernier épisode en fait. Parce que quand j'ai su sur Twitter que c'était Ricardo et Fiji qui avaient gagné, bah j'ai pas regardé parce que ça m'a déprimé en fait. Non, mais en fait, ça sert à quoi de donner la réponse alors que. Bah sur Twitter, tu te fais tout en spoiler, même les séries. Je pensais que pas Twitter. Les trucs comme ça. Si tu veux regarder un épisode de série, c'est pas la peine d'aller sur Twitter avant quoi. Voilà, voilà. Bon bah ouais, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous voulez revoir ma séance dans une autre vidéo, et si vous avez des idées du dos avec elle. Ça t'a plu de filmer? C'est rigolo. J'avais déjà fait des vidéos. Ouais. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.